Samy Hanouch, c'est l'ancien champion de France amateur et aujourd'hui il est passé professionnel, il est très attendu. Effectivement, il a battu les meilleurs pros du moment, il les a battus en amateur, donc c'est un boxeur à suivre. On vous rappelle hein, d'ailleurs le palmarès de Samy Hanouch, hein, 10 victoires, une seule défaite pour ce jeune boxeur de 27 ans. Il a noté que sur 10 combats, 9 ont été faits par KO. Il n'a perdu qu'une seule fois, c'était lors de sa première rencontre. Bon élément en équipe de France amateur. Il a un emploi du temps grâce à son entreprise Perform Air, vraiment millimétré. Une hygiène de vie très stricte pour pouvoir s'entraîner dans le plus haut niveau comme lorsqu'il était amateur en équipe de France. Et vous voyez son palmarès, hein, 10 victoires, une défaite à nul, vous le rappeliez, ce palmarès de Samy Hanouch qui nous avait offert en octobre dernier dans cette même salle un combat mémorable. Quels sont tes objectifs, Samy? Parce que tu as quand même connu le haut niveau, tu as goûté à la performance là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais faire en professionnel? Je me rapproche d'une échéance nationale. Là, je suis actuellement 3e, classé numéro 3. Donc l'objectif, c'est le titre national, voir des ceintures internationales, grappiller dans les classements quelques places et puis disputer au plus vite un titre. On voit le palmarès, Samy, on a conscience que ce qu'on est en train de réaliser est quand même impressionnant. On gravit les échelons un à un, on essaie de, avec Mehdi Lafifi, Marcel Denis, on a mis un plan de carrière en place et puis on essaie de s'y tenir tant du mieux possible. L'acier dans les poings, je crois, Samy Hanouch. Il y a toujours un temps de réaction, le corps met un temps à comprendre qu'il est KO. Et bien écoutez, là on a vu environ 3 secondes de battement. La foule.